Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kero, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de mon Let's Play sur le jeu Resident Evil 3, le remake. Et aujourd'hui les amis, je suis un petit peu énervé, donc désolé d'avance, ça va être pas, je vais pas être forcément très très joyeux. C'est parce que au niveau de la fibre, et écoutez, c'est mort, encore une fois, voilà. Donc là au moment où je tourne, on est le 16 juin. Et normalement, aujourd'hui, ce matin, je devais avoir la fibre. Donc, le technicien arrive, tout se passe bien et tout. Il me dit, est-ce que vous avez les clés pour le local, pour la fibre et tout? Je dis, c'est la gardienne qui l'a. Donc, elle m'avait confirmé qu'elle était là, la gardienne, ce matin. Je l'appelle, je tombe sur son répondeur. Magnifique. Je laisse plusieurs messages. Impossible à contacter. Le technicien, forcément, il avait d'autres personnes à aller voir. Donc, forcément, il a pas entendu. Ce qui fait que, écoutez, je n'ai toujours pas la fibre. Voilà, c'est super. Écoutez les amis, écoutez, on verra quand est-ce que ça sera bon, voilà. Ce qui fait que n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, voilà, le lien est dans la description pour être averti quand j'aurai la fibre. Là je tiens plus à vous dire de date, vous dire tiens voilà, telle date j'aurai la fibre. Non, maintenant je vais juste me consacrer sur les vidéos. Voilà, je voulais juste vous faire un petit point avec vous en début de vidéo, voilà, pour que vous soyez au courant si jamais voilà, que vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vidéos par semaine, enfin voilà, pas beaucoup de vidéos de let's play, etc. Voilà, c'était juste pour vous tenir informé. Bref, fin de la parenthèse, on est vraiment parti cette fois-ci pour ce 10e épisode. Donc voilà, on retrouve Jill Valentine qui est assez mal en point, voilà, suite au crash du wagon du métro, voilà, où c'était un petit peu le bordel aussi. Donc apparemment tout le monde serait mort, mais bon, je pense que l'autre là, l'enfoiré de l'UPSS, il est toujours vivant, enfin je soupçonne qu'il soit toujours vivant, on verra. Mais en tout cas le chef, je pense qu'il est mort, lui, pardon. Sinon ouais, on avait fait une partie aussi au commissariat avec Carlos, ça c'était cool. Mais malheureusement j'avais pas fini de tout fouiller dans la pièce là du comment de police là. J'avais pas tout fouillé, ce qui fait que j'ai certainement oublié des documents, des trucs comme ça. Donc encore une fois, désolé les amis, mais bon, j'espère qu'on y retournera. Je suis pas sûr. J'espère qu'on retournera dans le commissariat histoire de tout fouiller. Bref, on est parti les amis. Après ce gros blabla, on est parti pour voir un petit peu ce qui nous attend au niveau de l'inventaire. Vite fait, niveau santé, on est bon. On a des balles, on a tout ce qu'il faut. Écoutez, on est bien les amis. Let's go, let's go, let's go. Allez. Qu'est-ce qui nous attend ici? Attention, attention, attention. Sur quoi on va tomber? Let's go. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, ici c'est une pièce safe. On aurait pu se laisser là, si j'avais su. On entend cette Carlos? petite musique, hein. Réponds. Ah. Carlos? Ça marche pas. Ah merde. Et oui, Carlos, qui avait reçu la. Qui avait reçu l'appel comme quoi il y avait eu le crash. Du coup il s'est un petit peu dépêché et tout, en espérant qu'il lui ait rien à arriver à Carlos. Qu'est-ce qu'on avait laissé ici? Coupe-boulon. On avait des plantes. Ah, on va peut-être pouvoir fusionner. Attendez. Comment faire? Attendez. Combiner. Tu peux pas combiner. On peut pas le combiner comme ça. Alors attendez. On va juste déposer ça vite fait. Je vais prendre la plante rouge, vas-y. Et là, du coup, est-ce que je peux fusionner? Ah, je peux pas. Pourquoi ça se combine pas, les plantes rouges? Ah, c'est peut-être uniquement avec la plante verte, ouais, je sais plus. Ok. Écoute, on va redéposer ça. Vas-y. Ça, le crochet. Vu qu'il n'y a pas le petit icône de la poubelle, ça veut dire qu'on va en avoir besoin encore. Donc, on le garde. Écoutez, sinon après bon, on est good, on est good, on est good. Ici on a des mines. Oh, des mines. Je croyais que c'était des munitions pour ça, pour le lance-patate, mais non, pas du tout. Mais là du coup j'ai plus de place. Est-ce que, attendez, est-ce que ça on peut fusionner, on peut le combiner? Yes, ok, voilà. Ça, du coup on prend les mines, parfait. Des petites mines. Ça veut dire que dans pas longtemps, ça va être le bordel. Est-ce qu'on fait une sauvegarde? Allez, on fait une petite sauvegarde, même si on vient de commencer. Hop, voilà. Parfait.
Et puis bah let's go, hein. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Inspection sanitaire. Je crois que c'est un petit peu dégueulasse ici. Y a-t-il quelqu'un? Hello. C'est trop calme. J'aime pas. Bonjour. Ça se. Oh, bonjour. Je t'ai vu. Vas-y, viens. Viens, 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 viens. Oh, par contre, vous êtes beaucoup. Attendez, est-ce que j'ai pas. Bah, c'est ce que ça serait pas le moment d'utiliser des. Vas-y. Ah, on peut le combiner. Ah. Ah, mais non, ça c'est pour le. C'est bien ce que je dis, c'est pour ça. Si, si, c'est pour ça. Bah, est-ce que je l'utiliserai pas ça d'ailleurs? Parce que là. Ok. Ça n'a. Ah, si, c'est bon. C'est bon? Ah, il reste. Couché! Couché, j'ai dit. Voilà. Tu restes par terre, s'il te plaît. Ok. Attention ici. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Y a rien ici, non? Qu'est-ce que c'est des sortes de. De cellules ou je sais pas trop quoi ici? Attendez, on est où exactement? Tunnel du métro. Ils avaient des lits ici dans le métro, ils étaient bien ici. Ok. Oh! Toi! Alors attendez, je vérifie qu'il y a personne qui va me sauter dessus. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Je suis pas rassuré. Bon, vite. On va vite faire ça là. Vas-y. Voilà. Même si ça sert pas à grand chose. J'en dis. J'ai dû certainement en oublier un, les amis, donc bon. On les fait au passage. Hello. Hello, hello. C'est trop calme. Bonjour. Oh! Ça, oh! Vous êtes beaucoup encore. Vous êtes encore beaucoup. Est-ce que je gâche? Si, si. Venez, venez, venez. Petit, petit. Venez. Venez là. Venez. Attention qu'on me chute pas par derrière là. Bon, vous venez? Ok, ils arrivent. Venez, venez. On devrait utiliser. Attends. Attends. Oh, gros lard. Viens là. Boum. Si tu veux, tiens. Couché. Ils sont où les autres? Vous êtes où? Les copains. Copains. Oh! Oh! Je sais pas viser, je sais pas viser, je sais pas viser! Putain. On se casse. On se casse. Attention. Est-ce qu'il y a des choses ici, non? On se casse. Ok. Attention, le Némésis, est-ce qu'il va être là encore? Il est où? Échapper à la créature. Mais il est où? Où est-ce qu'il est? Où es-tu? Il est où cet enfoiré là? J'ai peur. Il va me sauter dessus. T'es où? J'entends des bruits de partout. C'est génial. Il est où? Il est où? Il faut aller où là? Attendez. Yes. Parfait. Il y a quelque chose là-bas. Là, il y a quelque chose là, non? Oui. Brochure sur la tour de l'horloge.
Alors, tour de l'horloge de Saint-Michel. La tour de l'horloge de Saint-Michel est un édifice de style baroque qui se trouve au cœur de Raccoon City et met des habitants à les considérer comme un emblème de la ville dans son ensemble. L'église Saint-Michel, ouais c'est Saint-Michel, c'est pas Saint-Michel, ouais c'est Saint-Michel, pardon, a érigé cette tour en 1908 à l'aide de plusieurs philanthropes, a été dédiée aux enfants nés dans la ville. Encore en développement, le rez-de-chaussée a été utilisé comme école primaire pendant de nombreuses années. Au début du XXe siècle, la ville a connu une nouvelle période de croissance avec l'achèvement de son électrification et les effectifs de l'école primaire Saint-Michel ont alors dépassé les 600 élèves. Malheureusement, l'école primaire Saint-Michel a dû fermer ses portes en 1978, alors que le bâtiment commençait à montrer d'importants signes de vétusté. L'horloge a été désactivée et les lieux ont fait l'objet de strictes restrictions d'accès. Donc je pense que la tour de l'horloge, c'est ce qu'on avait dans Resident Evil 2, hein. Donc petit spoil hein, si vous l'avez pas vu. Je vous invite à aller voir, hein. De toute façon ça serait dommage de voir ce 3 si vous n'avez pas vu le 2, mon let's play, ou d'y avoir joué. Donc voilà, c'est un petit spoil. Bon, je pars du principe que vous avez déjà fait le Resident Evil 2 ou que vous avez vu mon let's play. Donc voilà, je me permets un petit peu de spoiler. Les années ont passé avec ce monument jadis aimé et sa place publique fermée, mais dans les années 90, Umbrella Corporation a travaillé en collaboration avec le maire Michael Warren pour rénover et rouvrir le quartier. Cette fois, avec la mise en place d'un plan de préservation approprié, la tour de l'horloge a été officiellement rouverte en 93 et aujourd'hui le son de ses cloches résonne à nouveau dans toute la ville. Ok, mais ça m'avance pas. Où est-ce qu'il faut aller, ça? Ça m'avance pas du tout. Où faut-il aller? Je ne sais pas. On va fouiller. Peut-être il y a des choses encore ici. On fouille, on fouille, on fouille. Oh, yes! Des plantes, on va fusionner tout de suite. Combiner, voilà. On est bien. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Non. On avance. Alors le Némésis, il va me choper dans pas longtemps, je le sens. Il y a une caisse. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop, des plantes rouges. Est-ce qu'on peut... On peut pas combiner? Ben, et malheureusement, on va devoir les laisser. Si on peut pas les combiner, ouais, on va devoir les laisser là. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Oh! J'ai envie de boire un petit coup. Je peux? J'ai soif. Pas forcément de l'alcool, si vous avez un truc frais, genre un jus de fruits ou un coca ou un truc comme ça, quoi. On est preneur. J'essaye un petit peu de me remonter le moral parce que là la fibre là ça m'a saoulé aujourd'hui. Donc voilà. J'essaye de me remonter un petit peu le moral. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça me remontera le moral aussi. Et un petit commentaire. Bref, je pense qu'il faut monter, hein, les amis. Faut monter. Let's go. Et le Nemesis, il va être là. Chargement. Sauvegarde. Il va être là. C'est sûr. C'est sûr qu'il va être là. Je le sens. Et voilà. Ah, je commence à te connaître. Oh, par contre, il est en flamme. Il va aller dans. Ok. Il sait même pas nager. Tu le sous-estimes un petit peu, je pense. Hey Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. Ah, On a enfin. échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Il y a des blessés? Ils sont tous morts. Mireille, tout le monde. Ça, j'en suis moins sûr, hein, pour l'autre enfoiré, là. Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non, mais je rêve. Eh oui. Oh! Oh la va... Oh! C'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Némésis! Qu'est-ce qui t'arrive? Cours! Oh la vache! Oh la vache! Oh, t'es pas beau! T'es surtout énorme! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Non! Oh! Dites-moi pas qu'on va devoir l'affronter ça! Non! Je veux pas! Je veux pas! Mais non! Ah, secours! Vite, ça, prends ça! Tiens, bouffe! Faut faire quoi contre lui là? Des plantes! Des plantes! Mais je mets.
Ok, on peut pas prendre pour l'instant. Attention. Tiens, bouffe. Vas-y, 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 recharge, recharge, recharge. Bon, je pense qu'il faut le... faut essayer de le buter. C'est bon ou pas, non? Calme-toi. Oh la vache. La vache, la vache, la vache. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Oh! Tiens, bouffe. Encore? T'en veux encore? Vas-y, viens, pas de soucis. Les amis, c'est chaud. Est-ce qu'il me reste des balles encore? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai plus de balles. J'en ai plus. J'en ai plus. Attends, attends, attends. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Deux minutes. Pause. Bah, on va prendre... on va prendre ça, les amis, hein. Vas-y, recharge, recharge, recharge. Vas-y, vite, vite, vite. Ok, vas-y, cours, 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 cours. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, les amis. Est-ce que j'ai pas des... des munitions quelque part? Je sais pas, je sais pas. Là, y a une caisse, mais on n'a pas le temps. Oh! Calme-toi! Oh, l'enfoiré. L'enfoiré. Là. Ok, j'en ai. Non, 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 non. Attends. S'il te plaît. Laisse-moi recharger. Voilà. Attention. Tiens, bouffe. Ok, ok, vas-y, vas-y, vas-y. C'est chaud, les amis, c'est chaud. Tu vas mourir. Oh, bonjour. Putain, mais toujours... toujours pas, quoi. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et merde. Et j'en ai plus. Ça va être compliqué, les amis, ça va être très compliqué. Oh, calme-toi! Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Calme-toi! Ah oui. On dirait un gros liker, là. On peut continuer à tourner comme ça longtemps, si tu veux. Ça me dérange pas, moi. Mais tu vas te calmer? Oh, calme-toi! Je vais te calmer, moi, tu vas voir. Il s'arrête au bout d'un moment. Il est où? Oh, t'es là! Non, non, non! Il me reste plus. Ah, putain. C'est chaud, les amis, c'est chaud. Et j'ai plus... que le pistolet, il me faut vite des balles. Il faut quelque chose. Hein. Parce que sinon, on va pas pouvoir le... il faut quelque chose. Je trouve un moyen de l'arrêter. Ah, mais quoi? Quand tu veux l'arrêter? Elle est où, la caisse? Là. Attention, il va me sauter dessus. Vite! Vas-y! Oh! Vite, il faut que je me soigne. Attends, 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 attends! Je me soigne. Deux minutes. Utilise, voilà. Putain. Tiens, bouffon. Vas-y, recharge, recharge, recharge. Vite! Merde! Putain! Tiens. Pas du tout si c'est ça qu'il faut faire, les amis. Ok, il refait son petit tour. Vas-y, c'est le moment de recharger. Là. Ok, il y a des choses, vas-y, prends, prends, prends. Arrête-toi!
Tiens, bouffe. Allez! Des petites balles. Attention. Non, recharge, recharge, recharge. Vite, vite, vite. Putain, mais c'est quoi ce truc? Oh! Oh, calme-toi! Oh, mais stop! Stop! Vite, il me faut des trucs encore. Vite, 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 s'il vous plaît. Là. Hop. Fusionne, je sais pas. Tu peux pas? C'est quoi ça? Ok. On va mettre ça à la place de ça. Mais à la place de ça! Putain, j'ai oublié. Je sais. Attendez, attendez. On va pas paniquer. Hein, on ne panique pas. On combine ça. Voilà. Ça, tu combines. Ah, tu peux pas. Mince, mince, mince. De toute façon, j'ai assez. Vas-y, prends. Ok. Viens. Et là. Tiens, bouffe. Vite. C'est bon ou pas? Putain, c'est toujours pas bon, sans déconner. Sans déconner. Calmos, calmos. Tiens. Allez là. Putain, je sais plus si c'était bon, mais non. Allez! S'il te plaît. Tu peux crever. Putain, allez, c'est reparti. C'est reparti! Bon, on en profite pour recharger, hein. Ok. On en profite pour recharger. C'est pas tout. Attention, attention. En fait, je sais pas si ça sert à grand chose que je fasse ça. Est-ce que ça lui descend sa vie? Merde. C'était sûr. C'était sûr. Non. Soigne-toi, soigne-toi. Quoi? Ok. Ok, ok. Non, mais laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Tu vas te calmer. C'est chaud les amis, c'est chaud. Oh l'enfoiré. Non, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Ok, il refait son tour. Il refait son tour. Y a pas de mine ou de je sais pas quoi là. Parce que là... Clairement ça va être chaud, sinon... Là, il y a des trucs. Ouais, le pompe, si tu veux. Bon bah, je pense qu'on n'a plus rien. On va devoir y aller aux pompes. Pas le choix. Enfoiré. Ok, c'est bon. Yes. Okay. Attendez. C'est peut-être pas bon encore. Ouf. Ok, bon, ça c'est n'importe quoi parce que j'avais plus de balles, normalement. Mais bon. Ok. Ouh, les amis, c'était chaud. Je pensais pas du tout que... T'es toujours là? Mais non, mais il est pas mort encore, c'est sûr. Ce truc me lâche maintenant. Fais chier. Non, mais il est pas mort, c'est sûr. Enfin, quoique, je sais pas. Je sais pas du tout, les amis. Est-ce qu'on a des trucs? Bah non, on n'a plus rien. Et du coup, il faut aller où? On va voir. On va faire un petit peu le tour. Ah oh, mon dieu, ce combat, les amis. Waouh. C'était chaud. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Je sais pas. Tout est bloqué. Tout est bloqué. J'ai l'impression. Ah bah non, par là j'avais. Oula, ça me fait peur de passer. Oulala, oulala. Oulala. T'as pas peur toi? Non mais il est pas mort, c'est sûr. Ah c'est sûr.
C'est sûr. Putain, mais il est increvable ce truc. Oh, je croyais qu'elle lui avait coupé la tête, mais non, c'est le bras. Bon, ça va pas l'arrêter. Hein. Ah, oh putain, ça lui a repoussé. Oh putain. Sans déconner. Aïe. Aïe, 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 aïe. Non, Jill. Enfoiré. Intéressant. Tu m'as rendu un grand mais quel... Quel connard! Jill Valentine. Quel connard! C'était sûr, c'était un. Mais c'était sûr que c'était un enfoiré, lui. Depuis le début, je le savais. Quelques heures plus tard. C'est qui, Carlos? Yes. Jill! Parle-moi! Merde! Tayal, tu m'entends? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Bon, heureusement que Carlos était là, mais est-ce qu'elle va s'en sortir, Jill? Enfin, je pense. On va voir. Puis après, on se laissera là, je pense. Ah, j'ai complètement oublié de lancer le timer. Bah écoutez, peut-être que ça vous fera un épisode très court, je sais pas. Mais je pense après la cinématique, on va se laisser là, les amis. Le combat là, ça m'aura un petit peu achevé, là, on va dire. Même si je dois enregistrer des épisodes après. Alors, ok, on a l'hôpital. Allez, tiens le coup, Jill. Je pense qu'on va jouer Carlos, du coup. En attendant. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Tu vas chercher un vaccin. Tu vas t'en sortir, je te le promets. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Oh! On peut l'utiliser, là. Ça, non. Ok, donc dès qu'on aura le vaccin, il faudra lui... Faudra lui administrer. Oh la pauvre. La pauvre, la pauvre. Ok, donc tout ça, c'est ce qu'on avait eu lorsqu'on était au commissariat, je crois. Je crois. Alors on va juste vite fait fouiller cette salle. Il doit forcément y avoir des choses. Donc on a un truc pour sauvegarder ici, nickel. Est-ce qu'on a des trucs? Ah, j'ai pas l'impression qu'on ait des choses. Attendez. Ah si, si, si. Ok. Là on a la malle. Est-ce qu'on avait laissé des trucs? Non. Rien du tout. Ok, bah écoutez, on va sauvegarder. Et puis on va se laisser là. Ouais, je sais pas combien de minutes vous serez durant cet épisode. Bah écoutez, ça vous fera peut-être un épisode assez court. Je ne sais pas du tout. Donc ouais, on est good. Bah écoutez, je vais me laisser juste à côté de la petite Jill Valentine. On va essayer de la sauver la prochaine fois. Mais moi... Et ben, moi je vais enregistrer l'épisode juste après, ben là tout de suite, donc je pense que je vais enregistrer 2-3 épisodes à la suite, donc voilà. Et du coup, ben si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, activer la cloche, et à vous abonner, comme je vous l'ai dit, à mon Twitter, voilà, c'est important si vous voulez être informé, hein, si vous voulez être, voilà, enfin, si vous avez pas envie, ne le faites pas, mais voilà, si vous voulez être tenu au courant par rapport à cette fibre, je vais devenir fou avec cette fibre, bref, faut que je me calme, voilà. Donc ouais, tenir informé par rapport à ça, et puis bah, sur les vidéos qui sortent sur ma chaîne, tout simplement. Et du coup, portez-vous bien les amis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, enfin je pense que ça sortira jeudi, si je dis pas de bêtises. Voilà, désolé, si je dis une bêtise. Et ouais, ben portez-vous bien les amis, on se dit donc à très vite, c'était Kero, ciao ciao.